Bonjour et bienvenue, on est de retour dans un nouvel épisode de la survie du week-end. Donc on va continuer notre survie, notre exploration, non c'est pas vraiment une exploration, notre aventure on va dire, notre aventure qui va nous emmener, j'essaye de continuer ma phrase qui est bancale, nous emmener vers les fins fonds d'un aéroport. Voilà, ça y est, j'ai terminé ma phrase. Donc, en tout cas, la dernière fois, on avait stoppé à peu près à midi, une heure, en fait, de l'après-midi. Et du coup, j'ai pas dormi directement. Je suis allé cuire des glands pour voir un peu comment ça fonctionnait. C'est comme si, en fait, vous faisiez une tisane. C'est dans un bol avec de l'eau et tout ça, et vous voyez des trucs dedans. Mais ça, c'est pas une tisane. Tout simplement. C'est un peu bizarre. Ouais, enfin, bref. Après, oui, j'imagine les faire cuire, les faire bouillir en fait dans de l'eau. Mais bon, c'est un peu étrange. Et ça consomme pas d'eau, je crois. Parce que normalement, quand on fait des tasses de tisane et tout ça, ça consomme de l'eau. Mais là, non. Mais en tout cas, c'est 400. Donc, la grande portion, c'est 400. Si vous prenez un, c'est 100. Donc, du coup, bah, vous en mettez 4, bah, ça fait 400. Donc, vous gagnez strictement rien. Donc je comprends pas pourquoi ça existe en fait la grande portion. J'imagine que ça prend moins de place. Mais bon. Dans ces cas-là, laisse-moi les stacker. Peut-être. Ça serait pas mal. Enfin bref, c'est un peu étrange. Je sais pas. Je comprends pas vraiment le. Qu'est-ce qu'ils ont. Pourquoi ils ont pensé comme ça. Ça a pas trop de sens en fait. C'est 400 calories, donc c'est pas mal pour 0,12. Honnêtement, c'est extrêmement bon. 0,12, 400 calories, c'est magnifique. C'est aussi bon que je crois que c'est 0,05. Je crois, une tige de massette. Ouais. C'est quasiment aussi bon que des massettes en fait. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Mais ouais, je comprends pas pourquoi en fait il y a les normaux et il y a la grande portion. Parce qu'en plus on gagne rien. J'aurais bien voulu qu'on gagne un peu. Genre au lieu de 400, parce que c'est 100 l'un, au lieu de 400 ça donne 450. Ça aurait pu être cool. Mais ouais. Je sais pas, ils auraient. Parce qu'en fait, le truc dans ma tête, c'est que ça n'a pas trop de sens. Ils auraient pu choisir du coup 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enfin voilà. Ou alors, laisser nous choisir entre 1 et 10. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça n'a pas trop de sens pour moi, enfin, d'avoir fait ça. Enfin bref, c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas très très grave. En tout cas, on va partir. On va partir. J'ai une fusée de détresse qu'on avait récupérée. Je sais pas si on en a vraiment besoin. Je pense pas. On a une lampe qui a 0,60. Celle-là, elle est à combien? 0,38. Je pense qu'on va remplir notre lampe. Ouais. Ouais. On va remplir notre lampe. On va remplir notre lampe. Il faut qu'on aille chercher le marteau, parce qu'il n'y a pas de marteau ici. La flèche, je sais pas si je le prends ou pas en fait. C'est pas grave. Est-ce que je prends un peu plus de flèches? J'en ai 15 en tout. Je sais pas si j'en prends plus ou pas. Honnêtement, je pense pas que j'en ai besoin de plus. J'en ai là-bas. Aussi, j'ai rangé toutes les bonbonnes là, de peinture qu'on avait récupérées. J'en ai encore ici. J'en ai que 4, honnêtement. Enfin, après, j'ai 5 points de flèche. Donc je peux faire des fûts de flèches. J'ai plein de bois. Honnêtement, j'aurais dû peut-être faire des fûts de flèches. Je suis en train de me dire. Parce que on risque de passer un petit moment là-bas. Est-ce que... Autant prendre des flèches alors. Je suis en train de réfléchir. Parce que à l'aéroport, en fait, on risque de passer un petit moment. Donc, je suis en train de me demander, est-ce que on prend plus de flèches que la normale ou pas? ?17, 18, 19. 7,
8, 9, ok. 19 et 9. Ça fait un peu lourd, peut-être. On a ça. Je vais garder avec moi donc les glands parce que comme ça on les aura, on pourra les casser. Je pourrais réparer mes bottes. Je crois que j'ai pas mal de peau. Fais voir un peu. Là j'ai vu que j'en avais. Là encore une. Ça c'est du lapin. 1, 2, 3. Là on en a une sur l'une sur l'autre. Ouais, on peut réparer. On peut réparer nos bottes. Nos bottes. Ou alors on le fait plus tard. Quand on aura... quand on devra se reposer à un endroit. Je suis en train de réfléchir en même temps. J'essaye de faire des phrases cohérentes, mais c'est pas gagné. Alors, on a du feu. On n'a pas de bois sur nous. J'ai ça, j'en ai 17. C'est peut-être un peu trop. Ça aussi, c'est un peu trop. Hop, on en a 2 d'avance. Là, on en a 6. On va en garder 5. Là, on va en garder 14. 14 parce que ça, on en trouve beaucoup. Et la plupart du temps, c'est ce qu'on utilise pour se réchauffer. Là, on est bon. On a toujours un kit. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, on est bon. Je crois qu'on peut partir. J'ai juste à prendre de la viande. On va garder donc la fourrure de cerf et le boyau séché. Comme ça, on fera de la couture pour se reposer à un endroit. Genre, si on doit se reposer à un endroit, on fera de la couture. Pour passer le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a donc 19 flèches simples et 9 flèches en bois. On est bon. Allez, let's go, on y va. On y va, on y va. Alors ça, on mange. Ah oui, c'est vrai que je peux pas le manger directement. Faut que je fasse par le menu. Ça, on m'a dit qu'on pouvait tomber malade, honnêtement. Quand il est à 0%. Mais non, on peut pas. Hein. Moi, je l'avais dit plusieurs fois. Hein. Une fois qu'on est, est à 5, au niveau 5, on peut manger de la viande, en fait, qui est à 0%. On peut manger de la viande de... comme ça, il n'y a pas de problème. Hein. Attendez. Ok, très bien. Un. Deux. Trois. Ouais, trois, c'est bien. Ah, il fait un peu froid. Non, je vais me réchauffer. Je vais dormir une heure. Je vais me réchauffer. Ou alors on répare les bottes. Non, on va dormir juste une heure, histoire de se réchauffer. Et après, on va courir. Donc on va passer par le chemin de fer et on va donc aller à Muskegmorn. J'espère qu'il n'y aura pas de tempête. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas de tempête. On est presque en dessous des 45 kilos. Et on va essayer de récupérer... Oh putain... On va essayer de récupérer donc le marteau. Parce que maintenant il nous faut le marteau absolument. On n'a pas de marteau ici, c'est un problème parce que ici c'est un super camp. Et pas avoir de marteau, ça nous fout un peu dans la merde. Pour les glands. Par contre, le coup du café là. Je suis en train de penser. Si la grande portion c'est 400... Putain, non, il y a une tempête qui se lève. Non. Attends, c'est une c'est un blizzard, ça? Non.
Non, ça se calme, ça va. Ok, fausse alerte. Si jamais c'est 400. Pour la grande portion de gland. C'est énorme, 400 calories, honnêtement. Franchement, c'est énorme. Pour 0,12 en plus, c'est magnifique. C'est super. Et du coup, qu'est-ce que ça donne en café? Ça a intérêt d'être énormissime. Hein. Genre, moi, je veux une grosse bouteille de café de gland. Ok, on a un loup qui m'a flairé. Ouais, il va où est-ce qu'on était, il m'a flairé. On peut le voir quand il trottine comme ça, ça veut dire qu'il a senti quelque chose. C'est ou un animal ou moi. Et du coup, bah là, c'est moi. Ok, ça va, il fait moins froid. Très, très bien. Parfait. Donc ouais, pour moi, j'espère ne pas être déçu. Hein. Si on transforme ça en café, je veux que ça soit superbe. Qu'est-ce que j'ai hâte d'avoir le travois et tout ça, là. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai hâte. Qu'est-ce que j'ai hâte. Parce que j'espère que ça va être bien, quoi. Et utile. Ok. Bon, ce qui est bon pour nous, c'est que... niveau chaleur, on est bien. On est très bien, honnêtement. Donc, on va peut-être passer un bon moment. On va voir. Après, la visibilité, elle est un peu pourrie, par contre. Il faudrait qu'on récupère un peu de... un peu de bois sur le chemin. Il y a un truc aussi, il faudrait qu'on... En train de voir, il y a un bout de bois là-bas à récupérer. Genre un bois pour faire des flèches. Il faudrait qu'on mange un morceau de... Oh putain, ça m'a fait peur, c'est ça. Oh mais il y a un sac là. J'ai cru que c'était un ours, ça. Mais sérieux, quoi. Oh. J'ai jamais vu ça. C'est nouveau, ces trucs. Des fois, je suis en train de me demander si c'est pas nouveau, honnêtement. Et ouais, faudrait qu'on mange un morceau de steak là entier, comme ça on sent pas la barbaque. Parce que ici c'est des lignes droites en fait, que les loups et tout ça vont faire. Donc ça m'inquiète. Ça m'inquiète un peu. Ah putain, j'ai pris le 900. Non mais c'est 2 900 de toute façon. On va faire ça. Bah, du coup, avec le livre, ça nous a remonté le poids. Fait chier. C'est pas grave. On va courir un peu. Il y a un ours là-bas. Je vais en profiter tant qu'il fait bon. Je vais avancer vite parce qu'on doit bifurquer sur le côté gauche pour aller récupérer un marteau. C'est chiant ça. J'avoue que je suis pas très très heureux par rapport à ça. Là on a du déjà... On a du... Ah non, même pas. Putain, c'est chelou. Ok. Non, pas besoin de se réchauffer.
Alors. On a le sac de couchage. Ouais, on est bon. J'aurais peut-être pas dû prendre le flair. Je l'ai pris. En fait, c'est le flair, c'est un peu le truc. Genre extrême, genre si jamais on a des problèmes. Là, on a un cadavre là-bas, mais je crois qu'on l'avait déjà fouillé. Genre, par exemple, si on doit faire de la lumière ou du feu, genre dans une tempête, je sais pas. Genre, on allume un flair, comme ça, les flairs s'éteignent pas. À la limite. Mais 0,25, c'est quand même bien, bien lourd. Hein. Alors, on voit de moins en moins. C'est moi ou on voit de moins en moins? Va falloir qu'on se bouge les fesses. On va continuer un peu. Et après on bifurque sur la gauche. Et on devrait trouver commerce hindou, ça. Non, ça bouge pas. Par contre, je suis en train de me demander si on devrait pas mettre les crampons ici, parce que l'eau peut casser. L'eau peut casser, ça veut strictement rien dire. Vous avez compris, la glace peut casser. Là-bas, je crois qu'il y a un autre ours. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça, on prend. Alors après la question c'est où est-ce qu'on s'arrête? Notre prochaine poste c'est où? Parce que on a là-bas, je sais plus comment ça s'appelle la zone, mais il y a un c'est pas un ours ça. Merde, c'est un ours, fais chier. Bon attends, si on passe par la gauche. Et il y a un loup aussi. Super. Ah, là, il me fait chier. Il est en train de montrer le chemin, en fait. Bon, vas-y, ramène-toi. Saloperie. Faut qu'on aille où, non, déjà? Genre, attends. Faut qu'on aille là. Ok, donc j'étais en train de dire... Genre, où est-ce qu'on peut s'arrêter? Parce que dans la prochaine zone, or je sais qu'il y a un chemin qui après bifurque sur une forge. Si vous vous rappelez, il y a une forge. Et c'est un bâtiment très grand et tout ça. On peut rester là. On peut rester là. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette zone, c'est qu'on peut faire le tour. Ça prend un petit moment par contre. Ça va prendre quelques heures, hein, je vais être honnête. Et il y a un grand bâtiment
Genre une sorte de maison énorme en fait. Et on peut faire le tour de ça et on peut rentrer dedans et tout ça. Il y a beaucoup d'objets. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'on l'avait pas fait la dernière fois. Je suis quasiment certain qu'on l'avait pas fait. Donc on pourrait faire ça. Mais du coup, ça veut dire que ça, on va repousser le. Ouh, il y a du soleil. Il y a un loup là-bas. Ça veut dire qu'on va repousser un peu le fait de récupérer la radio. Donc, je sais pas trop. Moi, à la limite, j'aimerais d'abord faire la radio et peut-être après, quand on reviendra, on fera le tour. Je pense que c'est plus intéressant de faire ça. Puis s'il faut, on peut trouver des endroits ici avec la radio, hein. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Je crois que pour la radio fonctionne, faut qu'il y ait une aurore boréale, mais pas que, il faut aussi réparer les antennes radio, je crois. C'est quoi ça là-bas? Ah, c'est un cerf. Ouais, on est bon. Alors, est-ce qu'on a laissé un marteau? Yes. Oh! Oh, ça veut dire qu'il y a une tour ici. On est d'accord? J'ai envie de casser cette caisse là, parce qu'elle est sur le chemin. Ah ah! Oh merde. Putain, c'est quoi, 55? Je déteste faire ça. Cinquante-cinq, cinq. Ok. Je pensais pas trouver un coffre, hein. Je pensais trouver genre une caisse peut-être. Waouh, tout ça. En tout cas, on est à l'abri du vent. On va faire ça. Voilà, nickel. Dépecer vos proies, volume 1. Ouais, on s'en fout. On va faire ça. Du coup, ça veut dire que on a une tour, si je dis pas de conneries. On est un peu chargé, mais c'est pas grave. Attends, c'est quoi ça? Câble. Câble et un fusible. Deux câbles et un fusible pour le moment. Deux câbles et un fusible. Donc on a bien
On a bien une tour ici. Je pense que ça fonctionne comme ça. Par contre, elle est où la tour? On va Est-ce qu'on fait du feu ou pas? Est-ce que... Oui, on peut faire. Chier, qu'est-ce qu'il fout là, lui? On peut faire du feu. À la limite, on peut faire du feu. Comme ça, on se réchauffe plus vite. Et on fait une tisane. On fait une tisane. Comme ça, ouais. Ouais, on va faire ça. On va faire ça, on va faire ça. Faire attention au loup, là, qui traîne. Ça, il me fait chier, par contre. Ok, très bien. Oh, yeah. That's a good one. Feu. Tu peux te casser? Je sais pas où t'es en plus. Je sais pas où il est. Tu peux te casser? S'il te plaît. Non mais casse-toi. Voilà, tu fais chier. Voilà, ça te prendra. Là c'est con hein. Bon bref. On se met à côté du feu. Alors, ce qu'on veut faire, c'est ça. Alors, materne, c'est donc grand, gland cuit, grande portion, marteau, 15 minutes. Vas-y, viens, on teste. Vas-y, on teste. Alors, fais voir. Là, peut-être. Non. Je suis aveugle. La merde. Ah, c'est là. Pourquoi c'est là-dedans? C'est dans matériaux? Ok. Des glands broyés à partir duquel on peut préparer un café sain, mais pas corsé du tout. Ok, j'espère que c'est un récipient assez gros. Cuir. 9 minutes. Calories 125. T'es sérieux, là? Attends, de 400, tu passes à 125? Oh, putain. Attends, on va tester un truc. On va tous les faire, comme ça j'apprends. Comme ça j'apprends. Alors, gland préparé. Donc ça, c'est le petit, ça. Ok, donc gland cuit. Ok, donc ça, c'est gland seul, 100. Ça, c'est x4, 400. Ok, nickel. Maintenant, cuir. Ah oui, il faut les broyer, merde. Gland. Ah, mais il en faut 4. Ah, et du coup, ouais, non, du coup, ça change pas, en fait. Ok, du coup, ça change pas. D'accord, donc il n'y a qu'un seul café en fait. Il n'y a qu'une seule. Comment dire genre, le produit fini, c'est que le 125. Ouais, pourquoi pas. C'est marrant, la tasse, elle est sympa.
Est-ce que c'est parce que le récipient est petit? Ça m'étonnerait, hein, parce que le récipient, ils en ont rien à foutre, normalement. Il est où? Nourriture. C'est dans nourriture, une tasse de café de gland. 125. Encore heureux que la tasse elle est jolie, hein, parce que sinon c'est un peu pourri en fait. Après, est-ce que c'est du vrai café? Parce qu'ils disent que c'est pas du café fort. Donc est-ce que ça réveille ou pas? On va pas le boire maintenant parce que on va. Je crois qu'on va passer la nuit ici en fait. Je pense qu'on va passer la nuit ici. Non, attends, on va ramasser ça. On va faire durer un peu le feu. Ok, let's go. Où est-ce que sont les tours? C'est ça qui m'intéresse, moi. Évidemment, le vent se lève parce que... Parce que c'est pas fun sinon. Bon, encore heureux qu'on a beaucoup de bois là. Je dirais que c'est peut-être la... Ah, la tour là-bas là, vous voyez? C'est peut-être celle-là à réparer dans cette région là. Je suis pas sûr. Merde. Je suis pas sûr, hein. Mais ça paraîtrait logique, en fait. Vas-y, ramène-toi. Je vais t'utiliser pour la chasse. Oh, tu viens? Merde. Du coup, qu'est-ce qui se passe là? Où est-ce qu'il va, ce con? T'es teubé! Le loup teubé! T'as des hamburgers sur pattes, mais tu t'en fous, quoi. Enfin, c'est pas des hamburgers, c'est pas des vaches. Mais ouais, enfin voilà quoi. Vraiment con, hein, le loup. Je crois qu'on a une grotte là ou pas? Je me rappelle plus. Je crois qu'il y en a une. On va regarder. Alors par contre, le risque... Le problème... que je peux peut-être créer en fait, c'est que personnellement je pense que... Ah, il y a une antenne cassée là-bas. Personnellement je pense que on a le nombre suffisant d'objets. Et merde, il y a un loup. Le nombre suffisant d'objets pour réparer une antenne de la zone. Je pense qu'il y a suffisamment d'objets qu'on peut trouver dans la zone pour réparer l'antenne de la zone elle-même. Si on commence à prendre des objets et on les ramène dans une autre zone, ça peut créer des problèmes. Je pense que ça peut créer des problèmes. Parce que du coup, ça va nous forcer à rester avec les objets sur nous. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, j'ai peur de ça, en fait. Ne pas mélanger les objets des différentes zones. Après, c'est pas extrêmement lourd. On pourrait les garder sur nous.
Je suis d'accord. Et dans un sens, ça nous aiderait en fait à réparer les tours qu'on trouve. Ouais, bon, celle-là, elle va pas marcher. Spoiler, elle va pas marcher, celle-là. Parce que j'ai peur qu'il n'y ait pas assez d'objets en tout, en fait. Enfin, quoique, si, mais... comment dire, qu'il y ait juste suffisamment d'objets en fait pour chaque antenne. Vous voyez ce que je veux dire? Genre on n'est pas d'extra. Donc du coup c'est un peu la merde. Là on a plein de trucs ici. Attends. Ouh que c'est noir. Ça va où ça? Cool. Parfait. J'avais dans l'idée de poser les objets là que je viens de trouver, mais je crois que je vais les garder sur moi. Comme ça, on n'aura pas de surprise pour l'aéroport. Parce que je sais qu'on a une antenne à réparer à l'aéroport. C'est la seule antenne que je connais. C'est la seule antenne. En fait, c'est l'antenne radio qui est à côté du coup de l'aéroport. Qui fait la tour du coup, je crois, la tour de l'aéroport. Et du coup, il y a la radio à l'intérieur, donc on peut tout réparer en même temps. Donc on va peut-être garder les fusibles et tout ça. Oh là là, ce vent. Ah, mais chier. Ça, c'est chiant par contre. On pourrait dormir dans la grotte, hein. J'avoue qu'on pourrait dormir dans la grotte, en fait. Au lieu de se faire chier à faire du feu. Mais bon. Dans un sens, je préfère être en bas. Ça nous permet d'être prêts pour partir, en fait. Puis si on fait vraiment durer le feu, du coup, il dure très longtemps. Et ça nous permettrait de faire cuire quelque chose. Je crois que quand on va se réveiller, on va boire le café. Parce que je voudrais tester un peu ses vertus. Mais je trouve ça un peu bête de passer de 400 à 125. Je trouve ça très bête. Je sais même pas si c'est augmenté par mon habilité, par ma cuisine niveau 5 en fait. J'imagine que 125, oui. À la base, ça doit être 100. Donc on passe à 25 de plus. Mais 400, ça serait quoi? Genre c'est 300 et on passe à 400. Je sais plus combien de pourcentage on augmente, nous. Quand on fait à manger, je sais plus du tout. Regardez là. Donc on sait que techniquement il y a une tour ici, Muskegmorn. Ah putain, non c'est pas un... non. Et on a une tour à l'autoroute côtière. C'est ce qu'on sait pour le moment. Allez, un petit effort.
J'ai laissé un morceau de viande. Non? Quelque part. Vous croyez qu'on me l'a bouffé? Oh merde. Sans déconner, on m'a bouffé le morceau de viande? Ah oui, après... Enfin, après, oui, c'est un peu con aussi, il y a plein de loups autour. Ah merde. J'avoue que c'était un peu con de ma part. 3 minutes, ouh la vache. Voilà, nickel. On va se mettre là. C'est pas vrai. Alors, gland broyé, grande portion. Du coup, j'en ai plusieurs. Est-ce que ça vaut le coup de les transformer en de 400? On passe à 125, quoi. C'est ouf, quand même. Je sais pas. Je trouve ça un peu abusé. C'est un peu abusé de perdre autant de calories. Je suis vraiment pas fan de ça par contre. On a combien de feu? 5h30. On va dormir 5 heures. Je crois que ce feu reste est touché par l'extérieur, du coup il devrait durer plus longtemps que ça. Mais je suis pas certain. Alors. Oui, ça va, il est touché par la chaleur. Enfin, la température. Il est touché par la température. Encore 2 heures de feu. On peut encore se reposer, on n'est pas au max. Très bien, on voit strictement rien, c'est chaud quand même. J'ai plus de viande sur moi. Va falloir... je pense que... Je sais pas, quand est-ce qu'on pourra aller chasser? Non, on pourra aller chasser après, dans la zone d'après. On a des lapins, on a des loups et tout ça sur le chemin. Et on va être obligé de les tuer de toute façon parce qu'ils sont, ils seront sûrement genre devant notre visage, quoi. Alors fais voir, 2h30. Attends. On va faire un truc un peu plus. 3h. Et on va dormir 3h. Après on a des massettes donc c'est pas grave. Si jamais on veut taper dans des réserves. Et on a les glands. Ok. 1h30 de feu. 1h30 de feu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok. Non, 18. Enfin, un peu d'eau parce qu'on va manquer d'eau. Ça, c'est un problème si on manque d'eau. On va faire ça.
On voit un peu le temps. Le temps, il est un peu pourri, honnêtement. Qu'est-ce qu'on fait? On chasse un truc avant de partir. Il est là. Genre, on prend deux steaks histoire d'être bien pour la prochaine zone et pas être dans le stress. On pourrait faire ça. Comme ça, ça nous permet de passer le mauvais temps aussi. Oh putain, tu fais exprès quoi. Fais chier, on tremble. Par contre, c'est vraiment le feu pourri parce qu'il y en a, on n'a qu'un seul endroit en fait. J'avoue que ça c'est con ça. On devrait faire, quand on fait pas de la forge en fait, on devrait faire un feu genre ici. Il est protégé du vent de toute façon. Comme ça, on aurait deux emplacements. J'avoue que ce serait nettement plus intéressant. Ça aurait plus de sens en fait. 5 minutes. Ouais, c'est un peu débile là. Ben voilà. Très bien. On va faire ça. On va passer un peu de temps. Et après on trace, on se casse. On va pas... On va pas s'éterniser ici parce que honnêtement on est déjà resté vraiment trop longtemps. Vraiment vraiment trop longtemps. On va faire ça. On avait dit qu'on voulait faire... On voulait tester le café. Dans 6 minutes. Ok, c'est parti. Avantage, fatigue réduite. Bien nourrir, réchauffement. C'est où fatigue réduite? Il s'affiche pas. Attends, j'ai rien oublié. Oh, si, ça. Ok, cassos. S'affiche pas, fatigue réduite? Oui, mais non, attends, il y a encore de l'eau. Bon, je crois qu'il s'affiche pas, fatigue réduite.
Par contre, j'ai pas vu si ça, avait augmenté mon endurance. Que vous savez que quand on prend un café, ça vous réveille en fait. Donc du coup, vous êtes moins fatigué. Je sais pas si ça a augmenté ma barre en fait. Enfin, mon cercle. Je dirais que oui. Je pense qu'on était un peu plus fatigué avant que je le boive. J'aurais dû faire attention. Mince. C'est ma faute. Oh! Jamais vu ça. C'est nouveau? Genre on voit la glace cassée. Ah, c'est classe. Classe. Par contre, je suis en train de me diriger vers l'ours, là, en fait. On est d'accord qu'il y avait un ours, hein. C'est pas grave. On va se débrouiller. Bon bah du coup, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que il est là-bas, l'ours? Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier dans les 300... dans les 300 calories pour avoir un café à la place? Je vais être honnête, je sais pas. Ah merde, par où je passe moi? On peut peut-être passer sur le côté. Je vais être franc, je suis pas certain. Après, en théorie, je crois qu'on m'avait dit en commentaire. Si quelqu'un peut confirmer que ça revient en fait les glands, comme j'en avais parlé, c'est comme les boulots et tout ça. Est-ce qu'on peut passer par là? Ouais. C'est comme les boulots, les bois. Putain, c'est pas un ours, hein. Non. Et tout. Donc en théorie, on pourrait avoir. C'est quoi ça? Un feu. On pourrait avoir du café à l'infini. Ah, c'est quand j'avais tué un ours ici, je crois. En théorie, il y aurait du café à l'infini. C'est comme ça que je le vois, en fait. Donc bon. Ça vaut le coup. Ok, réchauffement, c'est fini. Ouais, je pense que... Genre, le bonus d'être moins fatigué, c'est... Ça nous augmente notre endurance. Genre, ça nous... Ouais, ça, c'est comme si on se reposait, en fait. Au final, ça fait comme un café. Je pense que ça fait un peu moins d'effet, mais c'est comme un café. Bon, bah c'est sympa. Mais ouais. Après, j'ai envie de dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de calories, nous, vu qu'on peut manger de la viande? Théoriquement, non. Mais j'avoue que 400 pour 0,12, c'est vachement bien. Hein. Niveau poids, c'est magnifique. Hein. Vous imaginez si on fait que ça? On se trimballe avec des glands partout? Ça fait un peu bizarre de dire ça. Mais si on a 400 de calories pour 0,12 à chaque fois, c'est magnifique. Oh, après j'ai envie de demander, est-ce qu'on peut un peu gruger le jeu en utilisant
Parce que vu qu'ils stack pas les glands, si on utilise genre 300 de calories sur 400, est-ce qu'après on peut le changer en café? Ah ah, ça c'est une question ça. Ça c'est une bonne question je pense. Par où on passe, nous? Droite ou... Je ne me rappelle plus. Parce que si jamais on peut... Si jamais on peut faire ça, en manger un peu et après transformer le reste en café, honnêtement, ça c'est bien. Ça c'est super bien. Après, si le café il est pas plein en calories, bon ça c'est autre chose. Il y a plein de choses à tester comme ça. Je suis en train de me demander si j'ai pas oublié quelque chose à la forge. Normalement non, mais... Normalement, j'ai rien oublié. Ça, c'est chiant qu'à chaque fois, il faut faire un détour comme ça, là. Là, attends. Je suis pas parti au bon endroit là. Je suis pas parti au bon endroit. Où est-ce que je suis? Ah mais non, c'est le... Putain, c'est l'arbre qu'il faut prendre, je suis con ou quoi? C'est les corbeaux qui m'ont distrait en fait. Par contre, on a froid encore une fois. Bah après, tant mieux hein, qu'il y avait les corbeaux, parce que du coup, ça nous permet de trouver le cadavre. Ok, très bien. Ouais, faudra tester ça. On mange une partie et après on essaye de voir si il nous laisse transformer le reste en café. Je vais essayer de tester. Quand j'ai l'occasion. On est bon. Je crois qu'on va devoir arrêter notre épisode ici. De toute façon, on a passé quoi? Une zone et demie encore une fois? C'est pas mal, hein. J'ai encore de la viande sur moi, ouais. Là, on va sûrement tomber sur un loup. Je tremble un peu. Je suis pas fan. Je suis en train de me faire bouffer par un moustique aussi. C'est autre chose ça.
On n'a pas fouillé les endroits là-bas, je crois. Parce que je vois des champignons et tout ça. Je pense pas qu'on ait fouillé. Donc en théorie, on pourrait trouver des choses encore. On fera le tour de toute façon quand on aura la radio. Comme j'ai dit, d'abord on se concentre sur la radio. C'est le plus important. Et après... Et après on essaiera de fouiller un peu plus. Bon, il faut se rappeler qu'on a un fusible et deux câbles sur nous. Ah putain. Ça m'embête ça. On a un fusible et deux câbles qui sont du coup de Muskeg Morn. Donc ça veut dire qu'on va devoir trouver plus de matos. Tu me fais chier de chier, toi. Ok. Allez, go, go, go. On commence à geler sur place, nous. En plus, il fait très beau, on peut faire un feu. Je voudrais m'arrêter aussi pour aller tuer ce moustique. Ça c'est autre chose. Ça c'est une autre histoire. S'il te plaît que personne ne m'arrête. On va aller se mettre là-bas par contre. Normalement on l'a fouillé. Hein, mais... Ok. Je crois qu'on va passer les 2 heures pour réparer nos bottes. Ça me semble pas mal. J'entends un loup. Non, peut-être pas. Wow! Oh merde. Pourquoi on a trouvé une... Oh, ok, ici aussi il doit avoir... doit avoir une tour. C'est pour ça qu'on a une batterie. Parce que je me suis dit, pourquoi on a une batterie? Oh là là, le bordel. Ça va être un bordel, tous ces objets. Ces objets supplémentaires. Alors, là on a un fusible. Donc, fusible, câble ici. Marteau. Ok, marteau. Ok, ok, on peut faire des trucs. Ça marche. Je regarde si je vois pas de tour en fait. Vous voyez, parce que si je continue là-bas, je peux faire tout le tour et après on aura une maison en fait. Enfin, honnêtement, oui, c'est... Ouais, non, si, c'est une maison. Elle est en hauteur en plus.
Et honnêtement, c'est pas mal de d'aller là-bas. Mais je pense pas que ça vaille le coup de le faire maintenant. Je pense qu'on devrait d'abord se concentrer sur... la radio. Et après, on fouillera mieux. Mais ouais, c'est un endroit que je veux fouiller. Je veux y aller là-bas. En plus, c'est une super aventure, honnêtement. C'est une super parcours. Donc, il y aurait une tour ici aussi, vu qu'il y a des objets. J'imagine. Câble. Ok, attends, je vais prendre une lampe parce que de toute façon on a de la du kérosène là-bas. Donc Ok. Alors, encore que j'ai pas coupé hein. Tout ça, hein, parce qu'il y a tellement de nouveautés maintenant. Enfin, tant mieux, c'est juste que on doit rechercher encore des endroits qu'on a déjà vus, c'est un peu embêtant. Mais bon, ça se passe bien. Ce qui est bien, c'est que on a beaucoup. Augmenté depuis qu'on est venu là la première fois. Vous vous rappelez, la première fois on n'avait pas genre la nourriture 5 et tout ça, je crois. Là on peut manger ce qu'on veut, on peut combattre ce qu'on veut. Donc ça va quoi. Ah oui, t'as un peu faim. T'as un peu faim, j'avoue. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, non, si, il reste là. Passage là, j'ai la main qui me gratte à fond, c'est horrible. Oh! Après, honnêtement, j'espère qu'il y a plus d'objets que nécessaire. Hein. Genre qu'il y a plus de fusibles, de câbles et tout ça que nécessaire. Hein. Ok, on est bon. Ok, ça marche. Parfait. Bah, du coup, c'est un peu encore la même chose. Ouais, c'est un peu la même chose encore où on est bloqué en plein milieu de journée. Bon, bah c'est comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, on va manger tout ça parce que sinon je vais pas avoir assez de calories. Donc on va s'arrêter là. Moi, entre-temps, je vais me renseigner pour certaines choses, genre est-ce qu'on peut manger genre ça et après le transformer en café par exemple. Je vais faire des tests. On va prendre ça. Je vais rester un peu. Je vais faire le tour parce qu'il me reste encore un petit peu de temps avant la nuit. Donc je vais faire un peu le tour du proprio si je vois une tour et tout ça. Puis après on le fera ensemble si jamais je vois une tour. Parce que là on a une batterie maintenant. On a 5 câbles. 0,50 quand même. Hein, ça commence à peser. On a 5 fusibles. 0,75, ça pèse aussi. 5 fusibles, on a fait combien? On a trouvé 3 ici, je crois. Et on a trouvé 2 câbles ici. Ouais. Ça commence à peser hein, tout ce bordel par contre. Ça c'est un peu chiant.
Ouais, ça c'est un peu chiant, j'avoue que je suis pas très fan. Enfin, je rentre, comme ça ça sauvegarde, et on s'arrête là, ce sera la fin de notre épisode. Je vais faire juste un peu le tour, voir si je vois une antenne radio. Sinon, comme j'ai dit, d'abord on fera la... D'abord on récupérera la radio, et après on fera l'antenne. Et je pense qu'on fera comme ça. Mais ouais, ce qui est embêtant, c'est que ça commence à peser un peu lourd. Ça me gêne un peu. Faut qu'on fasse un peu d'eau aussi, parce que j'en ai plus trop. Et il n'y en a pas ici en réserve. Il faut que je... Peut-être que je répare mes bottes aussi. Avec la peau de cerf. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais ouais, on va garder tout ça. Comme ça, on ira à l'aéroport et on aura tous les outils pour tout réparer. Et le surplus, on le gardera. Par contre, j'ai un peu peur, c'est si l'antenne, elle est super loin et qu'il faut se trimballer la batterie. C'est combien la batterie? C'est 15 kilos, je crois. Je crois que c'est 15 kilos, la batterie. Ouais, c'est ça. Eh ben, du coup, on fera... genre un run batterie, c'est-à-dire que on va vider notre inventaire, comme ça on pourra se trimballer la batterie. En tout cas, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé, la prochaine, on continuera un peu notre aventure. Moi, je vais finir la nuit ici, comme ça on se réveillera pour aller... Ouais, nous on est ici. Vous voyez, nous on est ici. Et si on passe par là, si on descend en fait vers le lac gelé, là, il y a un petit lac... je crois qu'on peut faire le tour comme ça. Et là, on arrive en hauteur. Et là, il y a une grande maison, si je me rappelle bien. Ou là, un truc comme ça. Mais en tout cas, il y a une grande maison. Il y a énormément de choses qu'on peut vérifier et trouver. Et après, on retombe ici. Et je crois qu'il y a même une corde à mettre, je crois. Je crois bien qu'il y a une corde à mettre. Mais voilà, après, on peut continuer. Mais ouais, je pense qu'on... Ouais, ah, j'hésite entre... On rush radio ou alors on fait le tour de cette zone parce que je l'aime bien, moi. Je l'aime bien, cette zone. Mais bon, je crois que le mieux, c'est que ça serait quand même radio. Mais bon, on verra. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao!